Yo l'équipe, c'est Zaraki, on est actuellement en live sur Twitch, j'espère que vous allez tous très bien, vous voyez le chat va vous faire des petits coucou, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on est de plus en plus nombreux, pareil hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur YouTube. Et puis on est parti pour cette session invocation au niveau du portail, du tag, de la saga Boo, la passion est infinie les gars, la passion est infinie. Ça fait plaisir, on va voir un petit peu le détecteur avec vous, mais vous allez voir que c'est une dinguerie pour une fois. Le détecteur est très bon, on a évidemment le tag Saga Boo qui c'est lui qu'on veut absolument, mais on a le tag SHI 4 aussi. Et ça c'est excellent, on a également Badak, donc pour ceux qui ne l'ont pas, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont 14 étoiles, c'est excellent. À côté de ça, on a le Vegeta Ozaru qui prochainement va obtenir un up, et vu qu'il n'est pas revenu souvent, c'est très bien. On a le Goku SJ4, excellent Zenkai, donc si vous ne l'avez pas ou pas 14 étoiles, c'est magnifique. Kid Buu, qui va sûrement avoir un Zenkai dans cette célébration. Le Majin, bon logique, on est dans la saga Z Buu, fallait bien mettre un perso assez vieux. Tenshinhan, qui est enfin dans le détecteur, donc le Tenshinhan qui a 0,5, ça fait plaisir. Le Buan également. On a le Kaioken ici, et puis après on a le Birdku, et je crois que les unités qui suivent, c'est vraiment des vieilles unités, donc c'est pas très intéressant, on peut le voir ici. Hein, voilà. Et après, on arrive au tag. Donc nous, on est parti pour cette session invocation. Allez, let's go les gars. On a téléchargé les données, bonne chance à tous. Attention à vos ressources, il y a un ultra à la fin du mois. Et puis rappelons aussi... Et puis rappelons aussi qu'il y a l'anniversaire dans un mois. Alors attends. Peut-être que Multi à 300, là, direct, comme ça. Attends. Bon. Je m'attendais à rien, hein, ces trois persos. Bon, ces trois persos, je m'attendais à rien. Mais bon, j'avoue que... L'espace d'un instant, je me suis dit... Attends, il y a un monde où ça tombe, là. Ok, donc là, je pense qu'il n'y aura rien. J'aimerais bien avoir de la chance un peu sur des LF. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de chance. Le dernier LF où j'ai braqué, c'était Gohan Beast. Pour un gros cash player, c'est quand même un peu dérangeant. Ok. Ok. Allez, maintenant faut que ça se fasse bien. C'est parti les gars, allez. Allez. Ok, là je dis oui. Ok, Broly. Est-ce qu'on a un Yari Broly là? Est-ce qu'on a du Broly les gars? Ok, alors si on peut avoir Badak et Trunks je... Ou alors Vegeta Blue, je dis pas non. Ok, pas de Broly. Ok, là il y a un monde où ça peut être intéressant. Rappelons que les glaciers t'as une forte chance d'avoir un LF. Donc si on peut en avoir un, bon, voilà, moi je dis pas non. Ce qui nous intéresse de notre côté, c'est que le tag SJ4 et le nouveau tag. Tout le reste est 14. Je prends. Ah, je prends. Je prends tous les jours. Hein. Ah, moi ça me va. Si c'est lui pour le. Si c'est le détecteur pour lui, ça me va. Ça me va, gros. Parfait. 11 étoiles, je l'avais PZ donc parfait. Excellent. Allez, les frères. On veut de la chance. Ok. Est-ce qu'on peut ramener un Yari Broly là? Ça arrive des fois que ça prévient pas. Non, ok. Crise cardiaque. Ok, fake out. Ok. Un fake out pour un beau Jack jaune. D'accord. C'est Lipa. Ok. Merci pour tous les follow les gars. Bienvenue à tous. Nappa détecteur. Bon, Nappa j'ai déjà 14. Mais si vous l'avez en soi, c'est sympa. Genre c'est sympa. Tu peux t'amuser en début de saison, même quasiment jusqu'à la fin. Ça dépend de la team dans laquelle tu le joues, mais voilà.
Bon, pour l'instant, c'est pas fameux. On a eu Tenchinan de bien, mais on a eu deux fois les glaciers pour Welu Nada. Hein. Ok, canon ATP. Je sens quelque chose de pas dingue là. Donc là, évidemment, pour la vidéo YouTube, vous allez pas voir toutes les invocations. Le reste, ce sera bah, forcément ceux qui sont sur directement Twitch. C'est eux qui vont avoir le petit supplément. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, pour les prochaines fois et pour suivre tout ça, les tests qu'on tourne en live. Entre parenthèses, optimisation, etc. qu'on fait, les sessions PVP, d'autres jeux. Ok, bon, la gratuite, donc premier cycle pour l'instant qui a donné un Tenchinan, pas de LF. C'est dur, hein. C'est dur là. Hein. Ok. Et là, il y a un monde où soit on a Broly, soit le Vegeta Blue, et ça pourrait être très bien. Ok. Ok. Glissé doré. Broly. Non. Vegeta. Non. Ok. Dès qu'il dit Kachida, tu sais qu'il prendra l'avantage et que tu transperces Freezer. Allez, c'est peut-être là, hein. Il y a les glaciers quand même. Ok. Là, il y a deux sparkings minimum. Et je sais pas quoi dire. Ok, fake out. Oui. Let's go les frères. Let's go premier cycle les gars. Let's go. Ah, ça fait plaisir de ouf. Let's go, je rends la luck les frérots. Je rends la luck, maintenant faut aller chercher les doublons. Let's go, putain ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Ok, il sera tombé sur une animation glacier, donc c'est ce que je vous dis. Hein. Glacier, quand t'as une multi à 10 personnages, ou même dès la multi à 700, t'as une forte chance d'avoir un LF. Et en l'occurrence, bah là, ça a payé. Voilà, on a eu deux fois le LF. Et comme quoi, la phrase « jamais 203 » ne marche pas. Parce que deux fois, on a eu le glacier, on n'a rien eu. Troisième fois, on l'a eu. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de ouf, les gars. Oh mon dieu! Oh, ça aurait été la dinguerie là si je l'avais eu deux fois! Attends. Il faut regarder la carte là, les gars. Attends, est-ce que si je fais ça? Non, DB Legends, les gars, vous me régalez. Vous me régalez sur les artworks, c'est incroyable. Ok. Bon, ben, la prédit, voilà, hein, qui passe. Hein. Les deux cycles, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on va quand même continuer parce que j'avais dit deux cycles pour la vidéo. Mais bah ça fait plaisir. Au moins on l'a obtenu déjà, ça c'est cool. Parce que si je pourrais éviter de cash play là, ce serait magnifique. Comme ça au moins je le garde pour l'ultra qui à mon avis me demandera bien plus de ressources. Alors peut-être Broly. Peut-être. Alors peut-être que multi à 500. Attends. Ne me dis pas que ça tombe maintenant. Ne me dis pas. Parce que là, ce serait incroyable. Attends. S'il te plaît. J'aimerais proposer vraiment de belles choses avec le personnage, s'il te plaît. Ok. C'est là. Oh oui. Let's go. Let's go Vegeta, c'est exactement ça que je pense dans ma tête. C'est exactement ce que je pensais, mon gars. Exactement ce que je pensais. Il y a deux LF qui nous intéressent, on les a eus. Magnifique. Il passe 11 étoiles. Magnifique. Oh là 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 là, si je peux le 14 lui ici, ce serait exceptionnellement exceptionnel, les gars. Oh là là, je le valide. Ok, bon là, je pense que ça va être une multi un peu timide. Surtout que le tag SJ4 reste encore très 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 fort. Mais malheureusement, à l'image de toutes les cartes, bah, vu que les persos sont... Mais frère, il a pop de nulle part. Attends, 3 multis de suite. Attends.
Attends, si on peut réavoir la carte ou le tag SLJ4, je dis pas non là. Attends, mais 3 de suite, frère. Attends. Bon, là, techniquement, allez. Ok. Ok. Oh, let's go, putain de merde, let's go. Il a 0,25, on l'a eu deux fois. Let's go. Let's go, le tag. Ça, c'est mes singes, ça. C'est ce que j'aime. Pas encore. Mais wesh. Bon, j'ai déjà 14, mais... Non, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Oh, c'est excellent, les gars, je m'en remets pas. Oh, let's go. Bon, par contre, là, depuis tout à l'heure, on aurait pu tomber l'autre Goku, hein. Le Goku tag Vegeta. Mais, en vrai, si je tombe plus le SLJ4 pour l'instant, c'est déjà bien, parce qu'il a moins de chances, en fait, de tomber. Là, je crois que le jeu, il est en train de me dire, c'est vrai qu'on t'a bien pompé dernièrement. On t'a bien pris des cristaux. Maintenant, allez, on te rend. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un Whis là? Non, Vegeta, ok. Ok. Bon, là, je pense qu'on aura rien, les gars. Bon, encore heureux, hein, vu ce qu'on a eu dernièrement. Mais bon. Si on peut faire un énorme braquage, c'est très bien. D'ailleurs les gars, je vous le dis au cas où, hein, dans cette vidéo, je pense que le prochain Ultra, ce n'est que mon avis, ce sera Gohan Ultime ou Gotenks. Donc, à vous d'en juger. Mais je prends, mais tous les jours je prends. Je l'ai pas 14. Il passe 14 je crois. Bon, let's go. Je vais pouvoir le showcase. Je vais pouvoir le showcase les gars. Il est trop beau. Allez, showcase, voilà, vous êtes au courant. Showcase d'ici peu, voilà, maintenant vous le savez. Et en plus, il donne une cap Z exceptionnelle pour les familles Goku. Bah, c'est parfait, voilà. Il va être showcase, lui, prochainement sur la chaîne. Voilà, c'est magnifique. Allez, il reste deux multi pour terminer ici. Et après, je pense qu'on se refera un cycle supplémentaire pour la vidéo. Et on arrêtera là, au niveau de cette vidéo. Et on continuera les invocations sur le live. Donc pour les frérots sur le live là actuellement, on fera la prédit après le prochain cycle. Voilà. Parce que la vidéo sera cut et forcément. Hein. Alors là, il y a peut-être un LF. Ok. J'ai eu beaucoup de fois le glacier quand même. Hein. Ok. Ok. J'aurais pensé avoir un LF ici, mais non. Non, là je crois que c'est le dernier. Ouais. Ok, il y a eu 3 Sparking. Ok. Allez, la gratuite, et après on refait un cycle. C'est la première fois qu'on a Namek en feu. Ok. Ryuken, ok. Est-ce que Ryuken, enfin le SLJ3 plutôt, appelle le SLJ3? Je pose la question. Est-ce que le SLJ3 appelle le SLJ3? Bon, ça appelle Broly, mais... Non, gros, 0... C'est 0,25. Normalement, je suis censé avoir l'autre, là. Ah, 0,25, j'ai eu beaucoup de LF, hein. Imaginez, ça aurait pu être l'autre. C'est ça qui est triste. Bon, si vous avez le Goku, vous de votre côté, vous l'avez pas 14, c'est un must-have, hein. Donc, rien à dire. Allez, on se fait un dernier cycle pour la vidéo, les gars. On a déjà bien droppé en vrai, mais faut tomber maintenant les doublons du tag Sagabou. Je pense que là, on aura rien. On va laisser l'animation et sinon, on va skip. Parce qu'à mon avis, on aura rien du tout.
Ok. Non. On va skip l'anime. Parce que là, on a juste pris l'avantage. Multi à 500. S'il n'y a pas d'anime, t'auras pas grand chose. Ok. Bon, on n'a pas quand même. Ok. Ok, ok. Kakaroto, ok. Ça, ça annonce rien aussi. À part s'il y a un fake out, on sait jamais. Ok. Beaucoup de singes, hein. Donc j'attire les singes. Intéressant. Si j'aurais pu attirer le SSJ 4 quand il était sorti, ça aurait été très bien, mais... On l'attire maintenant. Ok, ça s'est calmé quand même dans les invocations ici. Genkidama. Les gars, les mains en l'air. Obligatoirement. Les mains en l'air pour dropper. Peut-être que la force amène la force. Sait-on jamais. Ok. Bon là ça sent la multi Genki Flop je crois. Ah ça appelle Basile. Ça appelle Basile les gars. Ok. Ça appelle donc Basile. Ok. Allez, il nous reste deux multi. On va voir ce que ça donne. C'est dommage qu'ils aient pas mis de nouvelles animations. Bon par contre là ça s'est vraiment calmé hein. On n'a pas eu de Badak, on n'a pas eu de Trunks, ni de Vegeta Blue. Ce qui en soi nous garantit vraiment le personnage. Ok, glissé doré. Ok. Frizawa. Ce Trunks, on l'a beaucoup droppé alors qu'il n'est pas dans le détecteur. Hein. Serais-je un aimant à Trunks? Ok. Donc on a fait cette multi là pour Trunks, c'est ça? Ok, bon ça s'est quand même bien calmé. Là on a mis combien de cristaux? On a mis 10k je crois. Ouais c'est ça, à peu près. Ok, donc on va laisser l'animation. Si on voit qu'il n'y a rien, on skip l'anime. Hein. Ok, on prend l'avantage. Peut-être qu'il y a un Broly qui peut pop. Hein. Alors, on a eu un Broly qui est tombé de nulle part. Donc, je me dis. Non, il n'y aura rien, il prend l'avantage. Ok, fake out. Par contre, ça, ça peut être sympa. Ok, Bojack aussi. Deuxième fake out, peut-être. Ok. Bon, je pense qu'il n'y aura rien. Ok, c'est souvent les mêmes persos qui reviennent. Hein. Alors, pourtant, ils sont pas détecteurs. Ce serait bien de dropper des Buan aussi et des Tenchinan. Ouais. Ne serait-ce que pour le banc de la saga Bou. Ça peut être excellent. Ok, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a quand même eu de la chance parce qu'on a droppé beaucoup de LF. Ça aurait pu être beaucoup plus de fois le tag saga Bou. Mais au moins, il est déjà dans la box. On a eu deux fois le tag SSJ4, deux fois le Goku SSJ4, je crois. Et on a eu une fois Kid Bou, il me semble. Donc en soi, on a eu les meilleurs LF. Parce qu'après, on avait du Majin. Donc ben quand même assez content, j'espère que vous avez eu de la chance de votre côté. Comme je vous l'ai dit, attendez les vidéos showcase de un peu tout le monde. Comme ça vous allez regarder la carte, si vous hésitez à invoquer, ne tombez pas dans on va dire la culture de l'instant, de la hype. Et moi je vous dirai directement quand je vais tester la carte, si vraiment ça vaut le coup, si elle est indispensable, etc. Et voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me donner votre avis, ce que vous avez eu donc dans l'espace commentaire. Et bien sûr, à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao, ciao l'équipe. Des bisous.